Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. MHD, de son vrai nom Mohamed Silla, né le 10 septembre 1994 à La Roche-sur-Yon, en Vendée, est un rappeur et acteur français, originaire du 19e arrondissement de Paris. Il est le précurseur de l'afro-trap, un mélange de musique aux sonorités subsahariennes et de trap. En 2012, il commence sa carrière au sein du groupe de rap 1.9 Réseau, formé avec des amis de son quartier. À l'été 2015, il se fait remarquer grâce à un freestyle de rap, posté sur les réseaux sociaux. La vidéo rencontre très rapidement le succès auprès des internautes et suscite l'engouement des médias. Le 15 avril 2016, il publie son premier album solo MHD, qui lance la carrière du rappeur, certifié double disque de platine en France. Le 19 septembre 2018, il publie son deuxième album intitulé 19, certifié disque de platine. Il annonce dans le même temps vouloir mettre fin à sa carrière après la sortie de ce dernier album. À la fin de l'année 2018, ses clips cumulent près de 800 millions de vues sur YouTube. Le 15 janvier 2019, il est mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'un jeune homme de 23 ans pris à partie par une dizaine d'individus dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 à Paris. Le 17 janvier 2019, il est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. À l'expiration de son mandat de dépôt, le 16 juillet 2020, MHD sort de prison et est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Mohamed Silla est d'un père guinéen et d'une mère sénégalaise. Habitant d'abord en Vendée, c'est en 2003 que la famille s'installe dans une cité du 19e arrondissement de Paris. Sa mère est employée dans la cantine d'une école juive, son père dans des snacks. Dès l'enfance, il s'intéresse à la musique et est bercé par les chansons subsahariennes de Salif Keïta ou d'Awilo Longomba. En 2012, à l'âge de 18 ans, Mohamed Silla intègre 1.9 Réseau, un collectif de rappeurs du 19e arrondissement de Paris. Le numéro de l'arrondissement, 19, donne son nom au groupe. Mohamed Silla y écrit ses premiers textes, pose dans des clips de musique trap, avec comme nom d'artiste celui de MHD, qui est la contraction de son prénom, Mohamed. Il décide cependant au bout de 3 ans de raccrocher le micro. Il enchaîne les petits boulots et devient serveur de restaurant dans le quartier d'Odéon à Paris. Il y subit le racisme de la clientèle, « je me sentais mal à l'aise car j'étais toujours rabaissé par des gestes, des attitudes ». Il décroche un BEP restauration et s'imagine un futur en cuisine. En août 2015, alors qu'il travaille en tant que livreur de pizza, il passe des vacances à Montpellier avec ses amis d'enfance. Il profite d'un moment d'accalmie avant une virée en jet ski pour publier un freestyle, une improvisation de rap, sur l'instrumental du morceau Shekini du groupe nigérian P-Square et le poste sur Facebook, pour le délire. À son retour, MHD découvre une pluie de notifications sur son portable. La vidéo est partagée et commentée plus de 3000 fois et suscite l'intérêt des internautes, qui lui demandent la suite et le clip du morceau diffusé. Le 29 septembre 2015, il publie son premier titre sur YouTube intitulé Afro Trap PT. 1. La Moula, accompagné d'un clip tourné dans son quartier. En novembre 2015, le titre Afro Trap PT. 3. Champions League, hymne à la gloire du Paris Saint-Germain, PSG, rencontre un immense succès et est alors relayé par les stars du club. Cette chanson est suivie du morceau Afro Trap PT. 4. Fait le Move, qui devient l'hymne des footballeurs. Le rappeur s'impose très vite grâce à son style détonnant de « Afro Trap », avec des textes en langues africaines comme en Wolof ou en Peul. Je trouvais que le rap français reprenait trop souvent le rap américain au niveau des ambiances, des flows, déclare-t-il. J'ai décidé de ne pas prendre le même chemin et de tourner mon regard vers l'Afrique. Depuis que je suis petit, ma mère m'a transmis les savoirs et traditions de la Guinée ou du Sénégal. C'est une culture dans laquelle j'ai envie de puiser. Rapidement, la popularité de MHD sur le web attire les médias, qui sont nombreux à l'inviter sur les plateaux télé et en radio. Il est invité dans les émissions Petit Journal sur Canal+ et Touche pas à mon poste. Sur C8, à la radio sur Move, Skyrock et Generations, et assure désormais les premières parties des concerts de Booba. Il participe à la bande originale du film Pattaya et est invité par Black M sur le titre À l'Ouest, ainsi qu'à son concert géant au stade de Nongo à Conakry. Il sera même invité à l'Elysée sous le mandat de François Hollande, lors de la visite du président guinéen Alpha Condé. Sa musique dépasse très rapidement les frontières de la France et de l'Europe. Le rappeur canadien Drake, la chanteuse américaine Madonna et son fils David montrent leur engouement pour les chansons de MHD sur les réseaux sociaux. MHD sort son premier album homonyme le 15 avril 2016.
L'album regroupe les 6 titres Afro-Trap, et contient 2 titres en duo avec Fally Ipupa et Angélique Kidjo, et s'est écoulé à 12 695 lors de sa première semaine de vente. Cet album s'écoule à plus de 200 000 exemplaires en France et est certifié double disque de platine. En avril 2016, une tournée internationale démarre en Europe et affiche complet dans plusieurs salles, et se poursuit jusqu'au mois de décembre. Cet album séduit le marché international et en fait l'un des chanteurs français qui s'exporte le plus. Il entame une longue tournée de 200 dates qui l'emmène jusqu'au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas. En juillet 2016, MHD participe à la publicité d'Adidas présentant le nouveau maillot du Real Madrid. En octobre 2016, un documentaire dans l'émission Stupéfiant de Léa Salamé lui est consacré. Les équipes vont interviewer son petit frère et ses anciens acolytes du groupe 1.9 Réseau et suivent le rappeur jusqu'à son concert à Conakry en Guinée où il est accueilli comme une véritable star, escorté par des centaines de policiers. Le 10 février 2017, il participe à la 32e cérémonie des Victoires de la Musique où il est nommé dans la catégorie « Chanson Origine de l'année » avec le titre « Akelenta ». Le 29 avril 2017, il devient l'égérie de la marque allemande Puma. Au printemps 2018, il participe au festival de Coachella en Californie. À la fin du mois d'août 2018, MHD annonce sur Twitter la sortie de son prochain album pour le 19 septembre 2018, intitulé 19. Il annonce le 15 septembre de la même année, vouloir mettre fin à sa carrière, plus envie de rien, plus envie de cette musique, je pense bien arrêter après cet album, cette vie n'est pas la mienne. Rien de stratégique, pas là pour un coup marketing, je parle avec le cœur, personne ne peut savoir la face cachée du succès, c'est un choix de vie et c'est très difficile de vivre comme ça. Mettre un terme à tout peut me faire le plus grand bien. Point. Le 26 octobre 2018, soit un mois après la sortie de 19, son deuxième album est certifié disque d'or avec plus de 75 000 exemplaires vendus. Le même mois, le rappeur est à l'origine de l'ouverture d'une enquête de l'Inspection Générale de la Police Nationale, IGPN, après avoir publié une vidéo dans laquelle un de ses proches était pris à partie lors d'une violente interpellation. Il s'offre un duo avec une star du continent africain Wizkid sur « Bella », devenu l'un des tubes de l'automne 2018, avec 88 millions de vues. Un autre avec Orelsan, coproduit par Stromae, un troisième en compagnie du chanteur malien Salif Keita ou encore une collaboration avec le producteur américain Diplo, le leader de Major Lazer. Beaucoup vont apprendre à me découvrir. Je n'avais pas assez parlé de moi jusque-là, déclare-t-il. Le 19 décembre 2018, le jeune artiste avait mis en ligne le clip de « Bébé », un duo avec Dadju, autre phénomène du moment. Un clip qu'il réalise lui-même. Il est à la tête du film « Mon frère » de Julien Abraham, qui raconte l'histoire d'un jeune homme placé dans un centre éducatif après le meurtre de son père, dont il s'enfuit pour rejoindre Amsterdam avec un ami. Il sort en juillet 2019 en France. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, une rixe éclate rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris. La rixe oppose deux bandes rivales, celles du 10e et du 19e arrondissement. Les secours interviennent mais ne parviennent pas à sauver la vie de Loïc K, 23 ans, qui a 22 plaies par arme blanche, dont une mortelle à la cuisse. Il existe deux vidéos de cet événement, l'une filmée par un témoin, l'autre des images de vidéosurveillance d'un restaurateur de la rue Saint-Maur. Le 15 janvier 2019, Mohamed Sylla est placé en garde à vue au 2e district de police judiciaire, DPJ, de Paris, ainsi que trois autres personnes, toutes soupçonnées par les enquêteurs d'avoir participé à cette rixe mortelle de juillet 2018. Présenté à un juge d'instruction à la fin de sa garde à vue, le 17 janvier 2019, Mohamed Sylla est écroué pour homicide volontaire et placé en détention provisoire à la prison de la Santé. Il est soupçonné par les enquêteurs d'être sorti de sa Mercedes, d'avoir frappé Loïc K à la tête puis de s'être enfui à pied. Les enquêteurs l'identifient comme étant la personne de type africain, les cheveux teints en blond et portant un survêtement de la marque Puma, un modèle ayant la particularité de ne pas être commercialisé mais d'être réservé aux « ambassadeurs » de la marque, dont fait partie MHD. Pour sa part, Mohamed Sylla nie toute implication dans cette rixe et clame son innocence. À la suite de son incarcération, ses concerts et sa tournée sont annulés. Le 13 juin 2019, Mohamed Sylla, toujours en détention provisoire, est auditionné par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Il maintient sa version des faits, à savoir qu'il n'est pas impliqué dans la rixe mortelle. Il admet que c'est bien sa voiture qui a été utilisée lors de l'agression, mais dit l'avoir prêtée à un ami ce soir-là. En ce qui concerne le survêtement Puma non commercialisé, il soutient avoir offert ce modèle à plusieurs de ses connaissances. Le 10 janvier 2020, sa détention provisoire est prolongée de 6 mois. Fin mars,
Il est testé positif au Covid-19 et son avocate Elie Zarfi fait une demande de libération avec placement sous contrôle judiciaire, une demande que la Cour d'appel de Paris rejette définitivement le 8 avril 2020. Le 16 juillet 2020, à l'expiration de son mandat de dépôt, Mohamed Sylla est libéré sous contrôle judiciaire. Le parquet fait appel de cette décision de remise en liberté, mais est débouté le 23 juillet par la Cour d'appel de Paris. Mohamed Sylla reste mis en examen pour homicide volontaire, il continue de clamer son innocence. En novembre 2021, il est annoncé qu'il sera jugé par la Cour d'assises de Paris pour homicide volontaire. Le 27 mai 2021, MHD sort un single afro-trap PT. 11, King Kong, après sa libération provisoire en juillet 2020. Le 23 juin 2021, MHD annonce la sortie de son prochain album intitulé Mansa le 16 juillet 2021. L'album de 15 pistes inclura des collaborations avec Tiakola et les chanteurs nigérians Naira Marley et Adekunle Gold. Le 10 octobre 2022, l'album est certifié disque d'or. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.